Tout le peuple tchadien est en deuil suite du décès du président de la République du Tchad, le maréchal Idriss Déby Itno. Partout dans la ville d'N'Djamena, c'est la consternation. Malgré tout, excepté quelques artères désertes, les habitants de la cité capitale vaguent librement à leurs occupations. De l'avenue Mobutu, en passant par Dembé, jusqu'à l'avenue Charles de Gaulle et l'avenue Maldoum, ex-avenue El Nimeri, les engins à deux roues, les bus, les taxis et piétons circulent en toute quiétude. Au marché de Dembé, les vendeuses de poissons et d'autres produits de première nécessité exercent convenablement leurs activités. Sur le pont Chagua, la population circule également en toute quiétude. Au grand marché de la capitale, quelques boutiques sont ouvertes. Plusieurs commerçants et vendeuses de fruits sont devant leurs étals. Tous vendent tranquillement leurs marchandises. La sécurité étant assurée, les services fonctionnent normalement. Partout où on est passé, la ville est calme et les habitants des 10 communes de la capitale vaguent librement à leurs occupations. Les travailleurs, tant du public que du secteur privé, n'ont pas aussi à s'inquiéter, car les services continuent de fonctionner. Cependant, la population est tenue de respecter le couvre-feu instauré de 18h à 5h. En tant qu'être humain, ce n'est qu'une tristesse que je partage. C'est un président de mon pays, il est le premier responsable du Tchad. On retrouve au moins une stabilité avec des gens nouveaux, des nationalistes, surtout des patriotes, qui puissent aider les Tchadiens les uns et les autres et à construire le pays. Ça nous fait très mal. C'est un être humain, c'est un chef d'État, mais c'est le destin, c'est le chemin de tout le monde. Donc paix à son âme. Il s'est donné à vie pour les Tchadiens. Alors nous devons saluer cet acte et que tous les Tchadiens doivent également suivre ce pas et rechercher d'abord la paix. Il faudrait qu'il y ait la paix et que les Tchadiens vivent dans la paix et dans la tranquillité. On ne veut pas de guerre dans notre pays. C'est ça, je souhaite que Dieu va nous faire un bon... Nous avons appris la nouvelle. C'est une émotion et pour le peuple tchadien également et pour le pays tout entier. Et tel que c'est parti, nous demanderons au miséricordieux de lui accorder vraiment une place honorable, une place de paix, que son âme vraiment repose en paix. Mais surtout, ça nous laisse des traces inoubliables. Cette nouvelle, vraiment, c'est très, vraiment, les nouvelles, ça nous a beaucoup choqué. Notre président a décidé, notre président de la République, le maréchal Idriss Déby a décidé. Maintenant, nous sommes en deuil et que Dieu nous amène la paix et le salut. Dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai mes sentiments là, vraiment, ça m'a beaucoup choqué.